Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis. Nous allons faire le tant attendu top hors détecteur. Alors c'est pas tout à fait un top des meilleures cartes hors détecteur. Enfin évidemment la plupart des cartes qui sont dans ce top sont excellentes et font partie des meilleures. Mais je vais prendre un contre-exemple très simple pour vous expliquer le principe. Je prends Topo qui vient de sortir récemment sur la Jap, Topo Intelligence. Il est très fort. Hein, il est très fort, si tu remplis les conditions, et ça c'est une partie de la chose, si tu remplis les conditions, bah Topo il est quasi intouchable, hein, vraiment très très fort, même sans doublon, mais Topo il a une team, hein, concrètement il a une team, à la limite survie si tu joues des cartes univers 11, mais voilà. Dans ce top, il y a quand même beaucoup de cartes, l'idée c'est, la carte je la vois, je dois faire un Battle Road, la carte je la vois, je la prends. Je sais que ça va faire le taf, et que ça va m'aider, que ça va m'apporter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que maintenant, il y a tellement de cartes OP hors détecteur que, franchement, faire un top et dire, voilà, top 10 des meilleurs, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Il y en a tellement qui sont bien maintenant. Et faire une tier list, ça prendrait des heures et des heures, voire même... ce serait beaucoup trop long, parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Donc vraiment, c'est le top 10, j'ai envie de dire, de l'utilité, plus de l'utilité au-delà de la... des valeurs, etc. Même si, encore une fois, les cartes qui sont dans ce top sont toutes très bien et parfois... peuvent obtenir des valeurs vraiment dans ce qui se fait de mieux, mais c'est vraiment plus l'utilité que je veux mettre en avant dans ce top. Alors d'ailleurs, de la même manière, les cartes que je vais vous montrer ici, elles sont plus quand même concernées par le Battle Road, même si pour la plupart, elles sont tout aussi valables en Goku Rush. Mais en fait, le Goku Rush, si on devait faire un top hors détecteur Goku Rush, bah c'est simple frérot, tu prends toutes les cartes qui stack la def, et puis c'est fini. Mais du coup, ça n'a aucun intérêt. C'est bon, bah voilà, prenez la liste des cartes qui stack la défense. Le top, il est terminé. Mais c'est nul. Voilà, c'est pas intéressant. Alors, ça veut pas dire qu'il y aura pas de cartes qui stack la def à l'infini dans ce top. Il y en aura. Mais elles sont pas là pour ça, forcément. Donc là, ce top, on pourrait dire qu'il est applicable à peu près tout le jeu. Mais quand même plus orienté Battle Road. Quand même, malgré tout. Parce qu'encore une fois, le Goku Rush, bah, tu prends la liste hein, de ceux qui stack la def. Et quelque part, la carte, elle serait plus forte, peut-être, oui. Mais c'est juste bête et méchant, c'est voilà, je stack et puis c'est fini. Alors d'ailleurs, j'ai fait ça sous forme de top pour que ce soit plus fluide, plus clair. Mais en vrai, comme je le dis bien souvent dans ce type de vidéo, c'est comme si tu étais en train de classer des personnes qui ont entre 19 et 20 à un contrôle, tu vois. Donc en fait, le dernier, il est très bon et bon, vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, c'est vraiment, ils sont tous très très bons. Autre fait assez important, c'est qu'il va y avoir 3 duos de cartes que j'ai mis ensemble, qui occupent une place dans le classement, mais ils sont deux, parce qu'en fait, ils vont ensemble, et voilà, donc j'allais pas prendre deux places pour finalement le même commentary, parce que c'est des cartes qui souvent se ressemblent beaucoup, voilà, bon, quand on y viendra, je leur dirai, mais je pense que vous doutez un petit peu. Alors, à savoir qu'il y aura également un top sur les hors détecteurs ZTUR, j'ai séparé, parce qu'il y a tellement de cartes que, voilà, j'avais pas trop chaud, donc il y aura aussi un top hors détecteur ZTUR. Donc c'est parti, bien sûr c'est mon top, hein. vous pouvez ne pas être d'accord, etc. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, hein. Dans le respect de chacun, voilà, il n'y a pas de souci. On est parti avec Tapion pour commencer, et donc Tapion illustre très bien ce que je disais juste avant. Tapion, moi quand je fais une team pour faire un Battle Road, ou même en Goku Rush, il manque une place, je vois Tapion, bah je lui dis Tapion, je le prends. Tapion, valeur sûre, réduction de dégâts, ce qui fait que même s'il prend un peu de dégâts, il n'en prendra pas beaucoup. Potentiellement avec son passif, on a de la défense qui va se rajouter, de l'attaque qui va taper, il va bien taper. On a un debuff d'attaque en Battle Road, et surtout la forme géante avec Hildegarde en Battle Road, c'est totalement craqué. Et donc tu sais, voilà, il te manque une place, t'as Tapion, tu le prends, tu seras pas déçu. C'est vraiment une très bonne carte. Et pourtant au début quand il est sorti, bon, pas mal était mitigé, etc. Mais en fait, voilà, Tapion, vraiment aujourd'hui, ça reste vraiment une très bonne carte. Bon, ok, le link set, un peu limité. Mais il est vraiment bon. Et même sans le jouer avec Tapion Tech, hein, franchement, ça fait totalement le taf. 9ème place, Trunks Ikari Puissance. Alors j'ai hésité à mettre Zamasu Intelligence. Il aurait pu être dans le top. Hein, Zamasu, pareil, hein, c'est ce genre de carte. Tu dis, voilà, je la prends, réduction de dégâts, je suis bien, je vais régène. Zamasu, voilà, j'étais à deux doigts de le mettre. J'aurais limite pu le mettre en tant que duo. Mais bon, c'est pas non plus des cartes qu'on va jouer ensemble. Trunks Ikari Puissance, c'est le genre de carte. Voilà, c'est pareil, t'as de la place disponible. Il a plein de catégories. Tu sais pas qui mettre, et bah tu le mets. Défense, stackable, 3 fois. Si tu le gardes en rotation, même si tu le gardes pas, ça se stack. Réduction de dégâts, 40%. Voilà, pas de question à se poser. Des stats par rapport au PV. Voilà, c'est le genre de personnage qui prend très peu de dégâts.
Bon, si t'es full life, t'en prendras un petit peu. Mais si t'es un peu bas dans les PV ou si t'as commencé à stacker, tu prends quasiment rien. Voilà, ça c'est le genre de carte, vous voyez. C'est pas forcément... Il y a des cartes qui peuvent paraître plus intéressantes, hein, notamment avec les hors détecteurs qui sont sortis récemment. Mais c'est le genre de carte, c'est l'utilité. Je sais, voilà, je la ramène, je serai pas déçu, elle va me servir. On passe à la 8ème position, et donc ici ça va être un duo de cartes. Donc les duos SCJ Blue. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi? Je ne pense pas. Alors typiquement, eux en Goku Rush, ils sont craqués. Tu vois, même si je t'ai dit le top est plus orienté Battle Road. En SBR, ils sont aussi très bons, mais ils sont en 8ème et pas devant les autres, parce que en SBR, malgré tout, ils ont pas forcément le temps de stacker. Bon, ils sont quand même très très bons, hein, mais ils ont pas le temps de stacker, donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas forcément plus hauts. Mais le duo SCJ Blue, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement OP, c'est vraiment très bon. Voilà, franchement, c'est le genre de duo. Tu sais qu'ils sont disponibles en héros de film. En divin, tu le sais, tu les prends, tu sais que tu seras pas déçu, tu sais que ça va faire le taf. Et c'est vraiment très fort. Septième position, ça va être à peu près pareil. Kayle et Caulifla, donc un duo de cartes. C'est la même chose. C'est le genre de duo, même d'ailleurs, là, Goku Rush ou Battle Road, peu importe. Tu le ramènes, tu sais, tu es intouchable. Tu es intouchable. Voilà, c'est trop fort. C'est vraiment voilà, le genre de carte, voilà, le genre de duo. C'est excellent. C'est excellent, il n'y a même pas de question à se poser. Sixième position, c'est pareil. Goten et Trunks, on les a vus récemment sur les différents Battle Road qu'on a fait sur la version Jap. À chaque fois qu'ils étaient dispo, à chaque fois on les a ramenés et à chaque fois c'était une dinguerie. Parce que les deux ensemble, c'est juste absurde. De la réduction de dégâts à tout va, des bons dégâts, c'est trop fort. Voilà, et quant à ce duo-là, c'est vraiment, vraiment OP, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment très cool de les dropper hors détecteur. Alors, bon, quelque part, on pourrait dire que c'est un cas similaire à Topo, dont j'ai parlé en début de vidéo, mais je ne pouvais pas ne pas mettre Nail. Nail qui, quand même, déjà un leader à 150%, hein, ce qui est quand même cool. Nail qui a un passif, dès lors qu'il est avec Piccolo, totalement craqué, des stats de dingue, de la réduction de dégâts. Voilà. C'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose, on stack en plus à l'infini, hein, pourquoi pas en Goku Rush. Voilà, Nail c'est quand même une excellente unité hors détecteur. Alors après, c'est pas, enfin ça correspond pas trop quand même à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'utilité, parce que Nail, bah il a deux teams, hein. Il a deux teams, et encore Sagan Namek, bon, discutable. Donc il a une team finalement, c'est Namek, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Topo tout à l'heure. Mais le truc c'est que je voulais au moins le mettre pour lui faire honneur, parce que Nail quand même, et en plus au moment où il est sorti, voilà, c'était quand même impressionnant, il est toujours aujourd'hui excellent, et vraiment quand tu le drops, t'es très 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 content. Mais c'est vrai que théoriquement il n'aurait pas forcément dû être là, parce qu'en termes d'utilité, bah, avec une team, bon, c'est quand même pas fameux. Mais voilà, il est là parce que ça reste quand même quelque chose, ce Nail. Quatrième position, Raditz Tech qui vient de sortir. Alors lui, typiquement, c'est vraiment orienté Battle Road, hein, sa place dans ce top. Mais bon, justement, regardez, c'est vraiment abusé. Bon, augmente attaque à l'infini, pourquoi pas, grande chance de stun. Attaque et def 100%, s'il n'y a qu'un seul adversaire qui plus 1, attaque et def 100%, ça fait 200% attaque et def, plus grande chance de stun, donc déjà, c'est très fort. Mais en Battle Road, il n'y aura pas un seul adversaire, il y en aura deux. Et donc on a quoi si on a deux ou plus? Qui plus 2, stun l'ennemi attaqué, garantie. Et réduit les dégâts de 50%. Donc autant te dire que réduction de dégâts plus défense, tu sais très bien que cette formule, ça marche très bien. Il va prendre très peu de dégâts, il va stun les ennemis. Donc forcément, en SBR, c'est très fort. Donc lui, en extrême battle d'extrême tech, quasi indispensable, voire indispensable. Et des petits bonus. Bon, s'il y a du famille de Goku, Namek en face, c'est du bonus. Mais voilà, c'est vraiment très, très, très bon. Donc pareil, dans un battle où il est disponible, tu te poses même pas de questions. Tu le prends direct. Troisième position, Satank. Alors, est-ce que j'ai besoin de rester longtemps dessus? Je ne pense pas. Voilà, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. C'est le genre de carte. T'as une place, il est dispo, bah prends-le. Bah prends-le, hein, réduction de dégâts constante, esquive en plus. Y'a rien d'autre à ajouter. C'est du petit stun en bonus, pourquoi pas quand c'est possible. Voilà, même si un link 7 éclaté, tu t'en fous. De toute façon, il va tanker, il est là pour ça. Et il le fait très bien. Et voilà, pas de question à se poser. C'est le genre de carte, voilà. T'as de la place, tu le prends. Il n'y a aucune déception, c'est forcément, voilà, ça va faire le taf. Deuxième position, Fitbou, récent éveil, et Fitbou, mais qu'est-ce qu'il est bon, Fitbou, c'est un truc de ouf, hein. Peut-être vous n'avez pas forcément rendu compte, hein, il est peut-être passé un petit peu, voilà, comme ça, hein, inaperçu, mais Fitbou, c'est incroyable. Moyenne chance de stun en SBR, on prend.
Attaque et def 150%, attaque et def 150% qui plus 3 et grande chance d'esquiver attaque ennemie pendant 7 tours. Donc quand même plus pour le Battle Road. Mais voilà, en Battle Road, ce perso, regarde combien il est de catégorie. Pareil, il est disponible, tu le prends, tu cherches même pas à comprendre. Il va faire le taf, et même s'il esquive pas, il a des stats de dingue. C'est absurde. Quand j'ai fait quelques essais en SBR Univers 7 avec Monaka en leader, ce qui était là, Fitbou, c'est le MVP, c'est lui qui fait tout. Enfin, c'est lui qui voilà, c'est un perso, il prend 0 dégâts, et en plus il stun, enfin, voilà, c'est incroyable. Fitbou, c'est une dinguerie, vraiment, c'est incroyable. Et enfin, la première position, et c'est là que vous allez comprendre vraiment le sens de ce top, parce que, voilà, c'est pas forcément la meilleure, les meilleures valeurs, c'est vraiment la meilleure utilité. C'est le genre de carte, ah, elle est là, je la prends. Et c'est Gowasu. C'est Gowasu, parce que Gowasu, dès qu'il est dispo, pas mal de catégories, mais moi, je le ramène. Parce que 70% def à tout le monde, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort, du ki en plus également. Et en plus, le mec a 50% d'esquive, donc globalement, tu perdras peu de PV. Bon, il tape pas très fort, bon, s'il y a de l'extrême, il tape un peu plus fort. Et en plus, il bloque l'aspect. Alors évidemment, encore une fois ici, c'est quand même plus orienté Battle Road, mais en Goku Rush, ça se tente, hein, en vrai, hein, tu peux le ramener. Mais voilà, Gowasu, c'est le genre de carte, tu le ramènes à toutes les sauces. Tu le ramènes à toutes les sauces, c'est vraiment, voilà, c'est une excellente unité. Que tu peux ramener dans tous les cas. Vraiment, voilà, tu sais qu'il est dispo, bah, tu le prends. Voilà, ça fera le taf, combien de fois je le joue, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Donc voilà les amis, pour ce top hors détecteur, alors encore une fois, hein, c'est pas, voilà, une question de meilleur, parce qu'il y a plein, il y en a tellement des cartes, il faudrait faire un top, je sais pas combien. Mais vraiment, en termes d'utilité, le genre d'unité, elle est là, tu la prends, tu réfléchis pas, tu sais que ça va faire le taf, que ça va t'aider. C'est ça, vraiment, le sens de ce top. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je compte sur vous comme d'habitude pour l'instant, soutien, le petit pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait, passez tous une très bonne journée, des bisous, à très bientôt, salut.